Bonjour, mes chers élèves. Bienvenue sur votre chaîne préférée, Je communique TV. Alors aujourd'hui, on va voir orthographe. Je manipule la lettre G et les différents sons qu'elle transcrit. Prenez s'il vous plaît votre livre préféré, L'Arbre aux mots. L'Arbre à outils, page 121. Alors dans cette vidéo, on va voir, j'observe, je découvre et je montre. Allons-y. Alors, la lettre G et les différents sons qu'elle transcrit. Page 121. Suivez avec moi, s'il vous plaît, pour comprendre, bien sûr, le cours d'orthographe. Parce que je vois tout simplement que ce sont des cours vraiment très intéressants pour la plupart des élèves, surtout à la dictée. D'abord, observation et découverte. On a cette activité. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va tracer un tableau. De cette façon, il y a la lettre G avec ses différentes graphies. Alors, par exemple, G comme dans gare. Hein? J'entends G comme dans gare. J'entends J comme dans sauvage, au village. J'entends Nier comme dans montagne. Voilà. J'entends gué comme dans gare, j'entends j comme dans sauvage, j'entends nier comme dans montagne, et la lettre G ne transcrit aucun son. On a donc ce texte. On va choisir bien sûr quelques exemples. Alors je vois G. Hein. Dans ce jardin sauvage, sauvage, poussent des arbres magnifiques. Magnifique. Orangé, orangé, arganier, arganier, figuier. Des églantiers grimpent le long d'un vieux grillage. Des mandragores tapisse le sol, et dans un coin ombragé, des géraniums rouges attirent le regard. Alors, on a le mot sauvage. Alors, je vois la lettre G, j'entends J. C'est comme l'exemple de sauvage. Ici, magnifique. Oui, c'est vrai que je vois la lettre G, mais j'entends le son nier. Magnifique. Orangé. C'est la même chose ici. Figuier. Alors là, arganier, pardon, comme gare. Figuier, comme gare aussi. J'entends le son gué. Des anglais. C'est-à-dire. Bon. Je vous donne ici tous les noms qui se prononcent, tous les noms qui ont la lettre G, qu'on entend comme gare. Argani, fugué, églantier, grimpe, grillage, mandragore, regard. Maintenant, je vous donne tous les noms, tous les mots qui ont la lettre G et qu'on entend le son J. Sauvage. Orangé. Grillage. Ombragé. Géranium. Voilà. Maintenant, le son nier, comme magnifique. C'est rare de trouver des mots. Et la lettre G ne transmet aucun son, comme l'exemple de le long. Long. Enfin, alors, il y a la lettre G à la fin, mais elle ne se prononce pas. Long. Le long.
Alors, devant quelle lettre? La lettre G transcrit-elle le son G? Devant A, ga. Devant O, go. Devant U, gu. Exemple, on a garage, fuguier. Et aussi devant une consonne comme R ou L, grimpe, glace, églantier, etc. Devant quelle lettre la lettre G transcrit-elle le son J? Devant E, O, I, Y. Comme gymnastique avec Y. Comme E, comme orange. Comme I, comme girafe. Voilà, il n'y a pas de girafe ici. Bon, on continue. Quel autre son peut-elle transcrire? Quelle lettre précède-t-elle dans ce cas? Voilà, le son I avec N, G, N. Alors ici, entraînement. Voici la correction de la première activité. Mes chers élèves, je m'entraîne. Recopie et complète les mots avec les syllabes proposées. Il y a gare, gorge, gu, gant, goût et gon. Alors ici, on dit une goutte d'eau, des légumes, un dragon, une cigale, la figure, l'huile d'argan, un escargot, une gousse de vanille, un gamin, un gris. Répétez avec moi, s'il vous plaît. Une goutte d'eau. Des légumes, un dragon, une cigale, la figure, l'huile d'argan, un escargot, une gousse de vanille, un gamin, un gris. Alors, deuxième activité. Alors, ici, c'est ordonne les syllabes et trouve les mots illustrés. Alors, ici, c'est magicien. Ma. Magicien, magicien, magicien. Alors ici c'est horloge. Horloge, horloge. Ici c'est aubergine. Aubergine, aubergine. Ici c'est figue. Figue, figue. Magicien, horloge, aubergine, figue. Troisième activité pour aujourd'hui, chers élèves, toujours avec la lettre G et les sons qu'elle transcrit. Recopie et complète la phrase avec le mot qui convient. Et le fruit d'un figuier, on dit ici fugue. Attends, je vais colorier. Il vaut mieux de colorier. Voilà. Voilà. C'est figue. La figue est le fruit du figuier. Un petit sentier long. Long. Un petit sentier long. La fois. Longe, pardon, longe. Un petit, c'est pas long, c'est longe. Je m'excuse. Longe la forêt. Elle s'est mordue la langue en mangeant. Alors, le G. Voilà, le G. Le G est un oiseau. Dans notre cachette, nous bougeons avec comme cette façon. Nous ne bougeons plus. Dans notre cachette, nous ne bougeons plus. La figue est le fruit du figuier. Un petit sentier longe la forêt. Elle s'est mordue la langue en mangeant. Le jet est un oiseau. Dans notre cachette, nous ne bougeons plus. Maintenant, dernière activité pour aujourd'hui concernant la lettre G.
et les sons qu'elle transcrit. Alors, trouve l'intrus dans chaque colonne, explique ton choix. Alors, il y a ici trois colonnes. Alors, on va trouver l'intrus, ça veut dire le mot qui ne convient pas avec les autres. Gazelle, gaufre, green, goûter, glace. Je vois ici village, plage, gerbille, géant, bougie, gymnase, gare. Alors, je vois ici gare qui ne convient pas avec les autres. Montagne, campagne, cygne, anon, champignon, tigre. Tigre ne convient pas avec les autres. Alors, on a ici village. Pourquoi? Parce qu'il y a le son J, les autres le son G. Et la même chose ici. La plupart ici, c'est le son J, sauf ce mot qui est intrus. Alors, il y a le son G, gare. Il y a ici le son G aussi, tigre. Et les autres le sont niais. Montagne, campagne, cygne, agneau et champignon. Alors, c'est facile pour vous, mes chers élèves. Alors, c'était agréable de s'accompagner sur notre chaîne Géconnect TV. Allons-y. On va voir dans la prochaine vidéo des activités d'orthographe avec explication, bien sûr, et je retiens. Merci beaucoup, au revoir et à la prochaine.